Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Comme vous pouvez voir, on est dans la cuisine. Aujourd'hui, petite recette de biscuits pour les Hélénettes, si je me trompe pas. Donc la dernière fois, on avait fait une recette sur les financiers ou une recette des jaunes d'œufs. Donc cette fois, on va les utiliser pour faire des Hélénettes avec des jaunes d'œufs et puis la poudre d'amande. Donc avant qu'on commence cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as encore pas fait. C'est le petit bouton qui ressemble à ce qui se trouve en bas. Et puis allez, c'est parti au fourneau. Premièrement, four 200 degrés, Thomas. Voilà. Ensuite, on a besoin de jaune d'œuf, de farine, de sucre, de poudre d'amande ou de noisette et du beurre. Premièrement, on fait fondre le beurre. Ensuite, on mélange les œufs, avec le sucre, pour que le mélange blanchisse. Ensuite, on mélange les deux poudres. Voilà, maintenant que c'est fondu, on va les laisser de côté. Hop. On reprend la jaune d'œuf. On commence à mettre déjà un petit peu. Un petit peu beaucoup même. Là, un petit peu. Hop. Allez hop, on met tout. Une pâte bien épaisse. Ensuite, une plaque papier sulfurisé. Ça colle, mais sans ça colle, sans tout coller trop. Donc, huile d'olive. Et maintenant, on forme des petites boules. Et voilà. Et après, on enfourne au four 10 minutes. Bon, un instant de vérité, on va voir ce que ça donne, hein.
ils sont pas si vilains, hein. Alors, par contre, ils ont un petit peu collé. Bon, bah voilà, maintenant, qui sont prêts, instant dégustation. C'est chaud, mais c'est bon. Bon bah voilà, petite fin de recette pour ces petits Hellenettes. J'espère que cette petite vidéo t'a plu, cette petite recette t'a plu aussi. Tu verras, c'est facile à faire. Donc bah, profitez-en bien et puis à la prochaine. Allez, ciao.